Bonsoir Vincent. Bonsoir. Dans les ratés de la CAN, ce soir, nous allons nous intéresser donc aux quatre équipes qualifiées pour les demi-finales. Comment elles vont se préparer d'ici mercredi? Bon, on sait que pour arriver en forme, l'entraînement physique, tactique, je le dis sous le contrôle de Claude, c'est très important. Le repos, le sommeil. Mais le plus important, c'est ce qu'ils mangent. Oui. Aujourd'hui, mes invités sont deux grands cuisiniers qui ont travaillé pour de grandes équipes internationalement connues. Bonsoir, monsieur. Hé, hey, moi, je ne suis pas cuisinier. Ah bon? Non. Mais c'est ce qu'on m'a dit pourtant. Il faut se renseigner. Ben, vous êtes quoi alors? Moi, je ne suis pas cuisinier, je suis diététicien. Ah. Vous dites quoi ça? D'accord. Quand vous ne connaissez pas les gens, renseignez-vous, c'est mieux. Moi, j'ai fait de hautes études. Hein. Oui, mais pourtant, vous travaillez dans une cuisine comme. Ah non. Nuance. Moi, ma cuisine là, c'est un laboratoire, ce n'est pas une cuisine. Donc, ce que tu vois dedans comme piment, oignon, tout ça là, oui, c'est des composants chimiques en fait. D'accord. On m'a dit que vous avez travaillé pour des équipes nombreuses sur le plan international. Oui. Est-ce oui. que pour nos téléspectateurs de Canal+, vous pouvez nous donner quelles sont les équipes pour lesquelles? Il y a beaucoup d'équipes. Beaucoup. Il y a le Sakrabutu Sport de Bandoukou. Mais je ne connais pas ça. Non, mais tu ne peux pas connaître. Il y a le Kafilodio Sport de Korogo. Les 11 frères de Gagnoua. Tu connais? Non, je connais. C'est ça. Et puis, c'est pas fini. Il y a d'autres équipes encore? Non. Dans ma région, là, oui, c'est moi qui prépare à manger pour tous les paysans. Comment ça, les paysans? Ceux qui travaillent sur les cacao et les plantations de cacao, café, anacarde, tout ça, c'est moi qui prépare pour eux. Les matins, ils mangent, ils se bourrent bien et puis ils s'en vont au travail. Comme ça, ils travaillent du matin jusqu'au soir sans avoir besoin de quelque chose. Et puis sans stop. C'est bon à savoir ça. Donc votre voisin, monsieur, vous aussi, vous êtes un grand diététicien alors? Non, moi je suis venu témoigner pour lui. C'est ça. Comment ça témoigner? Non, mais parce que moi, à la base, je suis un chasseur. Un chasseur? Oui, oui. Vous chassez moi, quoi? Gibier de brousse. Voilà. Où est le rapport? Le rapport, vous allez savoir ça tout à l'heure. Donc ouais, moi, je commence de 22h à 5h du matin. La chasse? La chasse. Et donc, il me fait à manger. Et je mange à 20h. Et à 22h, quand je rentre dans la brousse, dans le noir, ouais, même vers de terre, je vois, sans torche, à cause de sa nourriture. De 22h à 5h du matin, vous chassez sans vous reposer? Hey, tu connais pas lui là, c'est ça. Sinon, quand tu manges sa nourriture, moi quand je vois les joueurs sur le terrain en train de faire pause fraîcheur, mi-temps, je dis mais ça c'est pas possible. Ils doivent rembourser les tickets des supporters. Ouais. Avec sa nourriture, pas besoin de. Tu n'as pas besoin de faire stop. Si il y a une équipe qui mange sa nourriture, quand on va dire mi-temps, ils vont dire non, c'est pas la peine, on continue. Ah, chef Gohou, alors donc, est-ce que vous pouvez nous dire là un exemple de menu que vous préparez pour les demi-finalistes, par exemple, au petit déjeuner? Au petit déjeuner, oui, c'est foutu d'igname. Foutu d'igname, oui, avec le guaguassou et le broglo saka. Voilà. Mais c'est lourd ça. Ah non, c'est léger. Ça, c'est rien. C'est très léger ça. Et ils vont manger quelque chose au déjeuner? Oh, déjeuner, c'est placali, sauce graine bien pimentée. Avec du porc au four. Voilà. Et là, c'est parti comme ça, donc au dîner, plus besoin de manger. Ah non, c'est pas fini. Goûter de 16h. Voilà. Il y a un goûter. Oui, goûter, oui, oui. 16h, juste avant le match. Oui. Attiquer huile rouge. Ouais, attiquer huile rouge. Avec. La goutti braisée. Ah. Et c'est avec ça qu'ils vont monter au match alors. Mais qu'est-ce que tu crois? Et c'est fini? Ah non, c'est pas fini. À la mi-temps, il faut qu'ils prennent des forces. Ils vont manger à la mi-temps? Dès qu'ils entrent dans les vessies, en même temps, ils nyambouillent. Bouillis. Avec des gays. Avec des gays? Avec des gays. Et donc, à la pause fraîcheur, ils vont rien manger? Quelle fraîcheur? Pause fraîcheur, c'est coup de coup, ils boivent. Direct. Coup de coup devant le public et les caméras? Il dit là, tu t'amuses. Hein. Le public que tu vois sur le terrain, oui, en train de crier là, oui, tu sais à quelle heure ils sont là? Ils sont là depuis le matin, ils sont assis là. Jusqu'au soir, ils crient oh, oh, oh là. Oui, tu oui. vois, c'est quoi? C'est coup tout coup. Tu comprends? Et les journalistes? Même les journalistes là,
les journalistes qui sont là, les caméramans, tout ça, c'est Koutoukou. Même les journalistes de Canal Plus. Ah, eux là, tous là, c'est Koutoukou. C'est Koutoukou. Il faut lui demander. S'il n'a pas bu Koutoukou, il faut lui demander s'il n'a pas bu. S'il n'a pas bu, puis s'asseoir ici là. Même Lilian Gatoun. Lilian Gatoun. Ah, c'est Koutoukou, il boit. C'est le meilleur client. Hein. Quand tu l'entends, quand tu il commande. Ça, c'est quoi? C'est pas voix de Koutoukou. Lilian Gatoun, quand il crie comme ça, c'est parce qu'il a bu Koutoukou. C'est voix de Koutoukou. D'accord. Donc, bon, oui, il y a le chef qui a concocté un repas pour ah, vous. Ah oui. Non, j'ai un plat spécial pour toi. Non, j'ai pas faim. Non, faut essayer. Non, j'ai pas faim. Après ce que j'ai entendu, j'ai pas envie de. Faut quelque chose que tu connais pas là. Oui, faut essayer. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour moi? Il y a la chose piton braisé. Il y a la vipère avec un peu de crocodile. Non, moi je ne peux pas manger ça. Non, tu vas manger ça. Non, ça va pas.